Alors de plus, si vous le désirez, comme il a besoin de quelques garces à trouver pour user son humeur amoureuse, je vais donc vous conter les différentes façons de séduire femelle. Car, pour séduire femelle, nous ne devons point avoir les selles un peu surettes, ni les pieds fumants, ni les ongles noirs. Et lorsque nous avons deux molaires pourries en fond de gueule, nous devons faire attention à ne point avoir la laine aussi forte que celle du trou du cul d'un vieux bouc. Sinon, lorsque je vous conseille fortement de compter fleurette à une demoiselle, parce que demoiselle ne se prend pas, demoiselle se donne. D'accord, forcement est péché d'église. Donc il est bon de compter à Isselle quelques balivernes et bilvesées avant qu'elle s'escambille de son plein chef. Mais pour ce faire, à un moment, nous allons être obligés de nous approcher d'elle et de la baiser à la bouche. Avec deux dents pourries en fond de gueule, nous la baisons à la bouche, elle racle tout son repas sur son devantail, et ça nous empêchera de l'embourrer bellement comme nous voudrions le faire derrière la tente. Bon. J'ai des frissons. Voilà. Alors, regardez bien. Si votre haleine... L'embourrer bellement. Si vous commencez par curer la dent... Vous commencez par curer la dent de la matière putride qu'il y a dedans avec un pic à viande ou avec la pointe du couteau. Ce qui vous permet de remanger ce que vous avez mangé la semaine dernière. Il n'y a pas de petite... Ensuite, pour mâchonner, vous mâchonnez un coup de girofle qui va vous donner une belle haleine bien forte et masquer le goût de pourri que vous pouvez avoir dans la bouche. Et après, pour parfumer la laine d'un léger parfum de rose, je vous conseille la racine d'iris de Florence. Regardez mon herberie. Tiens, voilà, tu mâchouilles. Hop, on mâchouille, c'est un peu dur. Il va tomber raide et vous rendez compte que... Il va tomber raide. Après, quand c'est bien mâchonné, faites comme ça. Là, ça sent un peu la rose. Voilà, et là, vous avez une haleine fraîche et délicate et nous pouvons baiser la garce à la bouche sans la faire raquer aucunement.
Ah, pas peur, hein, hé. Ah, pas peur du tout, hein. Je vous... C'est une hydromel à 12 euros. 11 euros les deux et 10 euros les trois. Ça va, mon beau? Ouais, tiens, fait. La pierre d'Alain qui garantit de la puanteur des aisselles et des pieds. Si, 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 si. La pierre d'Alain qui est la pierre de l'amour, car sans la pierre d'Alain, point de femelle dans votre lit. Avec la pierre d'Alain, femelle dans votre lit. Mais par contre, nous trouvons dans le cul des filles des instants d'éternité éphémères, certes, des petits moments de paradis, certes, mais aussi des fois des cadeaux non prévus au programme. Morpion, pisse chaude, chancre tournant, mal italia, et nous revenons au logis, le Guillory tout gangrené. Donc pour ce faire, l'apothicaire nous prendra de l'alun broyé avec de la chaux vive dans du miel, qui nous appliquera cet emplâtre sur le chancre du Guillory, et le grand pâtiment que nous tirerons d'Icelle Curation ne sera que châtiment divin justifié pour avoir embourré femelle qui n'est pas la nôtre. Est-ce que ça marche dans la chaux vive? Ça ne marche pas. De plus, lorsque vous embourrez femelle dans des draps à point changé depuis plusieurs années, vous avez la gale grattante qui vous attrape et vous ne pouvez point rentrer au logis en vous grattant comme un damné. Je connais ça. Vous allez voir l'apothicaire qui va vous faire mettre nu en votre natureté, mettre vos vêtements ou vos vêtures à tremper dans une seille remplie d'eau bouillante et pendant ce temps vous frictionnera avec du chanvre brut de la racine des cheveux jusqu'entre les orteils. Même la petite patte noire entre les orteils, il l'enlève. Celle qu'on met 10 ans à garder, à avoir. Hein? Ensuite, lorsque vous êtes rose, ils appellent ça frotter à la rosée. Hein? Pendant ce temps, il a mis à bouillir dans du vinaigre très fort, de l'alun, de la litharge et du soufre. Ensuite, quand vous êtes rose à la rosée, il vous enduit le corps de charpie trempée dans ce vinaigre chaud contenant de l'alun, de la litharge et du soufre. Et l'immense pâtiment que vous tirerez d'Icelle Curation ne sera que juste châtiment divin pour avoir embourré femelle qui n'est pas la vôtre. Et de plus, je vais vous donner maintenant, séant, le dernier secret de l'alun. Mais alors là, si ça sort d'ici, je saurai que c'est vous. Hein. Approchez-vous, approchez-vous. L'alun sert à resserrer le petit calibistri de ses garces afin de redonner conin de pucelette à femelle qui en a trop usé. Yeah.
De près. Moi, force, hein. Elle est superbe, Marie. Ah ouais. Ça partage encore. Une petite grimace. Voilà, bon, ça colle. Dites Lynn, je fais des cierges, des cierges d'abeilles. Thank you.
parole nous est parvenue avec la partition. Voici donc Achanta de la comtesse de Dieppe.